Bonjour YouTube, c'est la mère des marmottes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est ensemble pour un deck paladin de Zalae, un paladin paladisant. C'est un murloc mais avec des petits zoobots dedans pour booster nos amis les murlocs. Donc c'est un deck assez classique, on est en fin de méta, il n'y a plus beaucoup de nouveautés. La seule petite différence c'est qu'il y a double clampant dans cette méta avec beaucoup de voleurs, de la méchanceté, de la haine, des hydrolocs, chef de guerre murloc, clame de ralliement. Du coup les petits zoobots, une championne. Pas de conseils ni trucs comme ça, pas de destri à pointe non plus, bien entendu les zubats peuvent être remplacés par des destri à pointe. Si vous manque Bourbinja, Tarim ou Tyrion, vous mettez des destri à pointe. On a fait le tour du jeu, on va essayer d'aller dans la gueule. C'est parti! Et du coup, première game avec Hydrologue, on va garder Bourbinja parce qu'il carry à lui tout seul. Et on va relancer les deux autres. Et nous gardons donc du coup l'Hydrologue. Et on a la lame de ralliement, du coup on a un T2, un T3 et un T4. En espérant que ça n'aille pas trop vite dans la figure. Redire bonjour, parce qu'on est mal poli. Well play. Chut, tu parles trop. Croissance du coup. Là, de toute façon, un druide qui dit bonjour, c'est un druide qui a une sortie curvée. Forcément, si le mec dit bonjour, c'est qu'il a une sortie de porc. Sinon, il parle pas en fait. C'est des druides. C'est ça le druide. Le druide, c'est sournois, c'est malaisant. C'est un petit peu. Les druides, c'est un petit peu. Pour essayer de trouver une analogie avec quelque chose dans la vraie vie, c'est le mec hypocrite qui te sourit avant de te backstab dans le dos, qui te dit tout va bien, c'était cool, on va bosser ensemble, alors que les mecs derrière c'est oh, on n'en peut plus, ce mec il était trop nul, blablabla. Voilà, c'est ça un druide. C'est pareil, c'est pénible, c'est tout, ça a aucun. Ça a rien pour soi. Enfin bref. Aïe aïe aïe, c'est ça, c'est druide. Ah là, j'ai oublié la decklist! Oh pardon, elle est là, elle est sur la droite. Alors j'espère que vous ne mettrez pas tous un pouce bleu pour le fait que j'ai mis la decklist. J'espère. Je crois que c'est toi. Très bien. On ose F. On peut, si on veut jouer courvé, mettre Megazord face face. Bon, ouais. Mais on est dans le T6. Non, on dit c'est cool parce qu'on est dans le T6 où on peut faire plan envahissant. Du coup, on a des trades avec lame de ralliement, tout ça, token incroyable. Que du bonzer. Voilà, il fait juste pour héroïque. Ça ne marchera pas car nous avons El Famoso. Double sacrifice. Et du coup, on va pouvoir poser Megazord. Je pense. Oh. I like this. Du coup, ça fait double murloc. Tourne le papa qui bouge ça. Et on va voir ce que ça donne à 3 points de vie. Ce serait extraordinaire. Après, bon, oh, Furie des Vents, ça passe vite fait. D'un mètre 14 adversaires, comme ça on est obligé de ça. Allez, ça passe. Allez, parce que c'est toi, Furie des Vents, ça passe. On a Tarim au prochain tour, why not? On a des plans. On a des plans dans tous les cas. Des plans létals, des plans létaux. Ça part sur plaie envahissante. Alors, ça, c'est le désespoir, plaie envahissante. On va pas se mentir, quand on veut de plaie envahissante comme ça. Ah, c'est le seum. Oh, c'est le seum! Attendez, il doit y avoir des létales! Voilà, des létales! C'est sûr, c'est sûr, il y a des létales, il y a des létales, il y a 100% létales. Il y a forcément un létal ici. Ou pas? Ah là, même pas forcément. Oh, terrible! Tout ça ne peut plus réattaquer qu'une fois, donc on va faire ça. Ok, on a un deuxième. Ouais, si on a un deuxième qui booste, on a les victoires. Ah, pas du tout. Par contre, tout le monde a un point de vie, donc on va faire un Tarim. Très bien, Tarim. Bonne valeur sûre. C'est bon. On a tous plein de points de vie, ils sont tous furie des vents. On a le pal froid. C'est que du bonheur, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Ça a retardé d'un tour le kill, merde. À moins qu'on prenne Innervation L2 mort. Et c'est la victoire, Tito brisé, Tito détruit, Tito en sang. Des grandes claques sur l'arrière-train. Et c'est la victoire ici, on aime, dans ce premier match. Et du coup, on est bien. On est là, on est chouette. On est à niveau présent. Du coup... 1, 2, 3, c'est une bonne main de départ. On commence par la franchie, puis l'inquisiteur. C'est du solide. Vu qu'on connaît, si on fait le force à faire pièce là-dessus, c'est que du gratuit. Oh!
Ah non, on fait inquisiteur en premier. On fait inquisiteur en premier car en fait on veut pouvoir faire chasseur Rochecave into Papa Murloc. Car c'est absolument le plan. On est très content de faire ce plan d'ailleurs. C'est le plan où on prend le contrôle du bord, là où on souille du corbeau. Là le reliquat de Medivh, là on le piétine. Oh, oh le bolossage du seigneur des cryptes. Oh là là. Oh là là, Kipo Kissa. Oh là là, il est pas venu faire le voyage pour rien lui. Ah la druidesse de l'essaim. Ah, il met même pas l'autre. Oh, c'était une erreur. Excusez-moi, je me... caresse les tétons langoureusement là, parce que ce que... Ah mon dieu, ce que je viens de faire. Ah mon dieu. Ah je... Ah je suis en sueur, là. Oh je... Fou. Voilà. Attendez, excusez-moi, je... J'ai l'impression... Attendez, excusez-moi, j'ouvre la fenêtre. Ah oui, c'est... Ah oui, c'est ça, oui. Non, c'est bien ça. Je viens d'entendre les fesses de Kokichi... De Kipo Kisa claquer. Claquer et tout. Je vais bien sûr, c'est bien ça le bruit, mais c'est bien ça. J'ai entendu ses fesses claquer, il a pris cher. Mais écoute, on va voir si la troisième partie se passe aussi bien. Troisième game contre Maiev. Inquisiteur clampant, l'âme de ralliement. Bonne bonne départ. Oh là là. Oh là là, merci beaucoup. Merci. L'ami Oniro, le Sabek Twitch Prime. Quel homme, quelle qualité. Merci Oniro. Un homme bien. Un homme de goût. Un homme qui aime entendre les fesses claquer. Heureux de vous rencontrer. Oh. 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 Alors Zubot, l'autre avantage du Zubot, c'est qu'il booste les créatures en jeu. Donc en fait, tu fais Murloc T1, Murloc T2, tu boostes Zubot et... Ah, le... Go... Oh non, qu'il est 7. Ah, ça va, on a un hydrologue sur la cure. Très déçu du Kélé 7. Très déçu, choqué, brisé, mais bon, on va mettre le Kovo en cadal. Oh, dans la tête en attendant. Oh, le backstab. Quelle bande de fief et garnement. Hâte que je traite la créature et qu'il pose le Captain Pirate. Hâte qu'il me pose le Capitaine Pirate au prochain tour. Ce sera un grand moment d'e-sport. Ce sera un moment d'e-sport. Attendez, regardez bien. Le Capitaine des Mers du Sud. Sur le T3. Allez. 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 Allez, Sharky. Oh non. Le 10 démon. C'est terrible ça. Imaginez qu'il me pose aucun... Aucun pirate de la game comme j'aurais le seum. Oh, imaginez que j'aurais quel point le seum. Pose un pirate, on te dit. Le pirate. Ah, quand même. Je m'inquiétais, moi. Je commence à être mal à l'aise. Le capitaine, le pirate. T-balls. Pas du tout. Il y a eu clair manque de fun. Oh, nul sur 20, le flamme-teint. Flamme-teint, c'est 0 pointé. Allez. Bon, moi, on m'a pu manger un pirate. C'est déjà ça. La game est beaucoup plus tendue que prévu. Pourtant, le but va être de survivre pour arriver au late game. Vu qu'on a un petit peu perdu la bataille pour le board. Après, s'il pouvait poser un autre pirate, pourquoi pas, mais. Bon. Je me demande... Ouais.
un autre pirate. Miam 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 miam. C'est du bon pirate. Miam miam miam. Ok, il prend le trade là, normal. Il a encore 4 mana. On va voir ce qu'il va faire. 4 mana. Un joueur du 6-7 sur moi. Sur lui, ça. Alors qu'il va trade là-dessus. Ok, j'économise 2 points de vie. Not so bad, my friend. Donc, on mange ce pirate. Et un papa. Voilà. Donc, on essaie de se battre pour le bord. Le problème, c'est que là, on l'a perdu. Malheureusement. Malheureusement, malheureusement, malheureusement. Ça risque d'être compliqué pour la fin de partie. Ouais. Ok, la ville pile. Donc c'est parti, token, inquisiteur, et la folie, le token, et l'hydrologue. Muchos creaturos, et le noble sacrifice. Ouais, mais j'ai peur que ce soit perdu. Qu'on se prenne un pâle froid à ce tour-ci, que ce soit malheureusement la fin de la game. Le fiefé, ouais. Ça y est. C'est la fin. C'est fini. C'est comme Capri, malheureusement. Marmotte, c'est fini. Et dire que c'était la ville de ma première amour. Je pense. C'est pas la tête qui compte. Très bien. Bon. Bourbinja qui arrive. Je pense pas qu'il me sauve les miches ici. Il y a 4, 7, 10, 11, 12, 13. Allez, s'il attaque avec 100 en premier, du coup il est plus proactif. 6, 8, 9, 10. On peut prier. Allez. On peut prier qu'il fasse n'importe quoi, que l'attaque avec la 4-1 first. Mais j'ai peur que ça ne suffise pas. Et que malheureusement, nous ayons dans quelques instants le décès de la marmotte ici. Sous vos yeux ébahis. Mais non. Mais elle était malin! Félicitations à Sharkill qui arrête ma série de victoires de 2 victoires consécutives, complètement incroyable dans cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, merci à tous de m'avoir suivi, n'hésitez pas en Twitch tous les jours, en live, enfin 6 jours sur 7 du mardi au dimanche sur Best Marmotte. En attendant, des gros bisous, la bonne fin de soirée tout le monde, may the force be with you comme on dit, et ciao ciao.